Salut tout le monde, la Race Family. Aujourd'hui, je suis à Sassy pour la montée historique, la quatrième cette année. Donc, j'y suis avec le VR6. Hein. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça va être ma première. Allez. Ça, je trouve pas, et ça coûte trop cher. Il est petit l'Anthrax, hein. C'est du 4,98, je crois. Bah vas-y, on les taxe et tu les non, reperces. C'est 400. Bah, tu reperces. Tu reperces quoi, hein? Perceuse. J'attends mon tour, c'est copain Franck devant moi, il doit avoir 5 ou 6 voitures devant et on va y aller. Sporny Franck que je salue à bord de cette Peugeot 205 GTI, c'est un swap 2 litres turbo CT, TCT sorti en 1992 sur les 605 et les XM dans une version lourdement modifiée, culassé soupape, turbo à géométrie variable, refroidissement complètement revu. Disponible sous le capot des légendaires et rarissimes 405 T16 développant 220 chevaux. La numéro 52. Thank you.
rallye refait par les hommes, son propriétaire, un moteur modifié, ce qu'on appelle un swap. On prend le moteur d'une 405 M16, on prend deux chausse-pieds, on essaye de rentrer tout ça à l'intérieur, et ça donne ce véhicule tout à fait atypique sur une base de 205 rallye. La numéro 17, c'est Christophe Chaumel, donc sur cette Ford Capri, avec sa belle couleur jaune et son capot noir. Les jantes à l'U13 pouces proviennent d'une Ford Escort RS 1600. Alors il y a une grosse préparation, soupape forgée, pays racine et ressort 4 caves, un allumage électronique Limitor et un carburateur Weber DGV 38-38 double corps, plus d'admission retravaillée, ce qu'on appelle dans le milieu du polissage et un échauffement spaghetti 4-2-1 et barre anti-rapprochement avant maison et barre stabilisatrice arrière. On enchaîne avec une belle Lancia pour ce numéro 12. Une Lancia Delta HF intégrale 16 valves, c'est soupape si vous préférez. Une Lancia intégrale 16 valves qui était développée pour le rallye était prête en 1989. Alors là, on pourrait croire en la voyant de devant que c'est une Alpine et en fait, non, pas du tout. C'est une CG. La CG de Daniel Thiel. La CG est à l'origine d'ailleurs des premières Alpines à 108 et ensuite construit son propre véhicule. Les deux lettres CG sont les initiales des constructeurs Chap et Gesselin. Le modèle que vous voyez là est tout à fait original, il n'y a eu que 280 exemplaires. Alors on va rester sur CG avec un véhicule tout à fait étonnant parce que celui-là vous n'en verrez pas beaucoup. C'est le numéro 54, je ne me trompe pas. C'est une motorisation R8, on est sur un CG également. 65 chevaux, alors une couleur rose bruyère, il n'y en a eu que 3 produites dans ce coloris, c'est un coloris d'origine. Et à notre connaissance, c'est la seule restante connue dans cette couleur, sur une production qui en avait faite à l'époque 263 sur l'ensemble des véhicules de cette époque. Et il en resterait au monde 156, mais dans ce coloris, c'est la seule et unique rose bruyère. La numéro 40 pour cette Porsche 928 S4. Alors c'est une Porsche 928 S4 qui a été restaurée par les soins de son propriétaire depuis 2019. Elle était optimisée au niveau suspension, frein et échappement, une puissance quand même de 320 chevaux, moteur V8 32 soupapes, 5 litres de cylindre. La numéro 10. C'est la Renault 11 Turbo proposée par Laurent Gagnon. Pour une demi,
de lui. Hein. Numéro 1 dans la liste, eh bien, c'est un Renault 21 2 litres turbo de 92, moteur 4 cylindres en ligne, injection électronique.